Et nous sommes de retour, War Tales, parti. Nouvelle aventure, on continue. J'aime bien, notre camp est devenu super cool. J'aime beaucoup, notre camp est cool. J'aime bien comme la délimitation de notre camp va avec le terrain. Genre par exemple là il y a le truc avec le foin et tout ça pour les chevaux. Là il y a des petites barrières et tout ça. Et au final ça va vachement bien avec, le camp. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On a des trucs à faire. On doit... Ah oui, là, c'était où il y avait la vague, l'océan là de zombies, d'infectés. On va peut-être... je sais pas. On va voir. On va voir. Par contre, je voudrais bien passer par là. Là, je sais qu'il y a beaucoup de matériaux. Ah oui, carrément. On peut vous foncer dessus, le mec. Putain. Bon, merde. C'est parti. Ah, est-ce que j'ai réparé mes armures de la dernière fois? Merde, j'ai complètement oublié de vérifier. Je pense pas qu'on soit vraiment dans le besoin. Non, ça va. Pam. On doit se reposer dans pas longtemps, donc on peut y aller avec avec la bravoure. Est-ce qu'on se booste là? Non, peut-être pas. Je sais pas. On va voir. Bonjour. J'aime bien dire ça. C'est quoi? Bonjour. Alors, classica. Bam, bam, bam. Que 5. On va les garder. Très bien. Un archer là. Joli. J'aurais préféré que tu la tues quand même. Ah, c'est une attaque. Ah, c'est une attaque à 2 mètres. À 20... oui, 2 mètres. Je sais pas si ça va marcher, ça. Je pense pas. Il va pas bouger, en fait. Je crois. Je crois qu'il va pas bouger. Il va juste attaquer. Donc, du coup, elle va pas s'activer. Mais j'ai envie de tester. Ça l'a stoppé. Eh, pas mal. Pas si mal. Il est où, Kirik? Il me faut des trucs, là.
pour éviter que je tombe à court. Merde, j'ai bougé. Ah, fait chier. J'ai bougé, du coup, ça touche. Aïe, 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 aïe. Ah, il va sûrement... Tu vois. Ça va. Ça, toi, tu vas mourir. Joli. Ah, tu serais mort du saignement, faut le reconnaître. Elle fait plus de dégâts à l'armure. Ouais. Ouais, elle a un bon boost de dégâts. Hein. Quand elle tape de l'armure. C'est intéressant. C'est 80-100 critiques, c'est très bien. Hein. Ah putain, il va faire un AOE, ouais c'est pas grave. Hop là. La mort arrive, t'inquiète, bouge pas, bouge pas. Voilà. Faut le surnommer l'ange de la mort, hacker. Sérieux quoi. Avec tous les assassinats qu'il a fait. Ah vache. Je vais tous les tuer, même si c'est, même si on fait un tour. Parce qu'encore une fois, il faut qu'on... Genre, Ija, il a pu se... Il a pu grave se stuffer avec l'armure, la dernière fois. Donc, full kill. Full kill. Pour le moment, ça va être un peu comme ça, longtemps. Enfin, pour le moment. Longtemps. Ah.
hélicoptère, il aime bien le poney. Alors. Ah. Coup de hache comme ça dans la... Dans le cou là. Putain. Bien joué. Haha. Oblitération niveau 7. Requin niveau 8. Là, requin niveau 7. Bah, c'est bête. C'est bête. Ça fait... Hop, hop. On vira les cadavres si jamais on a trop. Campage, campage, campon, campon. Merde. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Un cheval qui vient de monter. Yes, bien, 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 bien. Ah, il est à 1036. On est à 1037 parce que j'ai augmenté la constitution. Yay. Yay, bien joué. Bien joué, les gens. Il faudrait des sangliers. On commence à connaître l'histoire. Hein. Mais ouais, des sangliers. Ça serait pas mal. Ija a abusé de la boisson et est devenu alcoolique. Qu'est-ce que t'as à dire à ça? Et dire que je vais rien boire pendant des heures, pas Gérus, c'est pas juste. Je suis plus un enfant, je devrais pouvoir boire quand je veux. Essayer d'éponger le reste de l'alcool et les maux de ventre avec de la nourriture. Requiert chou. Boire pour oublier. Se retenir. Ne pas boire de la journée. Éponger, mec. Putain, espèce d'ab... Bon, c'est pas très grave. C'est pas trop grave. Mais c'est casse-couille. Tu peux pas avoir... Le genre, t'étais bien parti, là. T'as peau dure, fine lame. Et le mec, ça y est, alcoolique. Putain de merde, quoi. Aïe, 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 aïe. Ah, elle est marrante, celle-là. Tu mets de l'alcool, t'as un risque qu'il devienne alcoolique, quoi. Super. On est bon, cassos, cassos, cassos. Sinon, j'avance pas dans mes quêtes. Donc, ouais, j'avais dit qu'il nous faut peut-être de la nourriture. On va voir les zombies, hein. Il y a une maison là. Un truc. Demeure de la colonelle des Théors. Bonjour. Attention, vous marchez, vous êtes dans un lieu chargé d'histoire. Il ne reste plus beaucoup de vestiges de la guerre qui opposa Arag à Edoran. Presque tout a été détruit ou englouti par les marées.
N'est-il pas incroyable qu'un conflit qui opposa pendant 30 ans deux royaumes aussi puissants puisse s'effacer du sol et des mémoires 50 ans plus tard? On en est bien peu de choses. D'accord. On a plusieurs en plus. Ouais, j'ai brassier, yes! Dégâts augmentés, oui, on s'en fout, on s'en fout, on a trop de ça. Lire. Journal de la colonelle Déthéor. Nous avons accueilli les nouvelles recrues en provenance d'Arthès. L'expression sur leur visage était à la hauteur de notre décrépitude. Depuis que la peste a emporté le village de Létyr, les troupes sont démoralisées, les attaques de la résistance de Luderne se font de plus en plus fréquentes, les moustiques cardinaux nous harcèlent et même les croque-porcs s'enhardissent à attaquer nos patrouilles. Putain. Je n'ai plus la fougue de mes jeunes années, je crains que cela soit aussi le cas du général Edor. Notre seul espoir est la trêve. Regardez-moi ça, des parchemins, des cartes. Ce serait pas la planification du siège de Carusa. Et là, un compte-rendu signé de la main du général Edor en personne. La conquête d'Arrak fut d'une extrême facilité. Leurs clans éparpillés dans les marais n'ont offert qu'une maigre résistance sur le champ de bataille, ralentissant à peine la progression de notre légion. J'ai presque honte d'avoir accepté la charge de gouverneur de Luderne, tant cette victoire repose plus sur la faiblesse de nos ennemis que sur notre mérite guerrière. Je promets cependant de remplir cette nouvelle tâche avec dignité. J'entends faire prendre cette région misérable dans la modernité en fondant un village digne de rivaliser avec les autres régions civilisées. Je songe à l'appeler Létyr. Et il est où ton village? Oh! Le village maudit de Létyr. Ah bah il a mal fini ton truc, hein. Il a mal fini. Oh, je crois qu'il fait nuit là. On a la brume. Ah oui, il commence à faire nuit. Indique le trésor de la colonelle Déthéor. Oh, ça peut être intéressant ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça c'est l'arbre. C'est simple, on connaît, on est déjà allé. Ça c'est l'arbre. Là il y a le... ça doit être là. Ça doit être exactement là. Genre ça c'est le pont, ça c'est l'arbre. Donc ici. Je crois qu'il y avait des cadavres ici, non? Bon bah demi-tour. On va d'abord défoncer. Merde. On va d'abord défoncer les mecs là. Faire gaffe, y a la. Y a la vague. On a vraiment besoin d'équipement. Parti. Pam 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 pam. J'adore le jeu, il est trop bien. Une non animal termine son tour, elle soigne l'animal.
On fait coup de neige ou pas? Ouais, on va le faire. Bien. Le leader, il donne rien en fait. Pas me faire chier à leur faire des embuscades si je peux les one shot. Genre comme ça. Ça sert à quoi quand... Pourquoi faire stratégie quand on peut faire bourrin? Un truc sympa. Normalement, il fait... Tant que cette unité est sous l'effet d'un bonus, ses attaques appliquent affaiblissement pendant un tour. Mais en fait, quand il s'engage, il gagne direct lanière de cuir et du coup... Ou alors l'huile. Enfin, l'un ou l'autre, quoi. Et du coup, il a fait affaiblissement directement. Intéressant. Intéressant. Ouf, vache. Pas mal. Tu as plus de 6 mètres. Oui, bon, du coup on peut faire ça. Joli. 4 de rage. Je suis en train de m'amuser avec eux, je suis en train de balancer tous mes points. Non, j'arrête. Et après, je vais pas avoir de. Je vais avoir du mal à rattraper. Parce que déjà, on n'était pas full. Je vais avoir du mal à rattraper ma bravoure. Joli. Il y a Orlin qui est là. C'est à cœur. Elle est où Orlin? Elle est là.
qu'on peut lui mettre encore un debuff ou pas? Ah, peut-être, poison. Et après, à cœur, il lui fera des dégâts. Boum. Ah, voilà. Fallait taper plus fort. Prends une baffe. C'est ta faute. Après, on aurait pu augmenter ton arme. Enfin, mieux, plus. Mais... C'est quoi ça? C'est un coureur. Marquage. C'est un abatteur. Se relance pour chaque unité touchée qui saigne. Ça a l'air pas mal, ça. Bûcheronnage. Se relance pour chaque unité touchée qui saigne. Ça peut être intéressant. Ça. Joli. Est-ce que ça marche du coup comme ça? Il faut que je l'augmente, comme ça elle peut faire deux cibles. On va lui remettre encore un petit coup de poison, ça fait 15% de dégâts en plus. C'est pas énorme. Ah, c'est mieux. J'aurais dû d'abord le tuer. Comme ça, on récupère Fureur. Et après, on aurait utilisé entre les deux yeux. Ouais. J'aurais dû le faire dans cet ordre-là. Pas grave. Mais voilà, c'est des petits détails comme ça. Que je fais là. Non, on a besoin de stuff comme d'hab. On va voir si ça la stop. J'aimerais bien pouvoir zoomer un peu plus aussi. Ah ah! Bien joué. Ah.
Bien jouer les copains. Après, peut-être. Bon, ça, c'est un cheval de guerre, on peut pas le monter, il y a des pics et tout ça. À moins que vous aimiez ce genre de truc, mais. Ça pourrait être sympathique qu'on ait une armure pour le cheval qui permettrait de monter le cheval en fait. Genre, peut-être une habilité qui. Genre, il prend. Un des personnages. Et le personnage en fait monte dessus pour aller plus loin en fait. Ou alors pour le déplacer et ça le toucherait pas. Attendez. Genre un personnage qui a pas joué. Vous jouez le cheval va à côté et peut prendre le personnage. Du coup il monte sur le cheval quoi en gros. Et après vous pouvez bouger le cheval donc avec le personnage dessus. Et à la fin du tour, il descend. Donc du coup, vous le déplacez en fait. Vous voyez, vous déplacez le joueur que vous n'avez pas joué. Ça peut être intéressant, un truc comme ça. Ça va. Hein. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je trouve ça cool. Enfin, j'aimerais bien qu'on utilise le. J'aimerais bien qu'on utilise le cheval en fait comme ça. Ah ah. Alors, pouvoir de saut sert aussi bien au camouflage qu'à tenir chaud à son porteur. Par contre, ça fait chier parce que ouais, mais c'est du léger, c'est pas augmenté. On perd le critique. On perd le critique pour gagner quoi? De la portée. Même pour non mais là. Ah, c'est con. Critique. Bon. C'est bête. Attends, où est-ce que je vais? C'est bête. Faudrait que ça soit une. Pas une armure plus augmentée. Montée réduite de moitié. Ah non, on pourra le soigner quand on dort. Ok, donc go. Ouais, go à la. Ouh, pourquoi il trace? Ça doit être là. Oh putain, t'es sérieux? Ça doit être complètement là. Alors toi, tu te reposes. Les cadavres.
déjà pas mal, go, les bouffer. Hop là. Parfait. Très bien. Ah, t'es content, Choco? Non, Croco, pardon. Crocoport s'occupe de toi, t'as vu? Hop là, Crocoport. Donc, on est d'accord que c'est bien là, le... Ah! Non, c'est pas ça? C'est ça, hein? Là, il y a la marque. Ça, c'est le l'arbre. Ça, c'est le pont. C'est ça, là! On voit la marque. Ah, mais on l'avait pas déjà looté? Triste. Attends, on va où là? On peut continuer à gauche. Là, on a un pilier. Ancienne tour de guet des Dorans. Sûrement des vestiges de guerre encore. Alors, un hôtel dédié à la reine des Tulls. Ah oui, les Tulls, c'est pas ceux qui doivent nous donner des marques là. Y'a quoi là? Oh, grand camp tracker. Yeah, let's go. Maître tracker, vous êtes ici pour une traque? Désolé, mais nos éclaireurs ne nous donnent que des informations contradictoires. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en attendant d'y voir plus clair, je préfère envoyer personne sur les traces de la meute fantôme. Ok. On a déjà tué une. Oui, parce que y en a toutes les meutes là, de trackers, là, les bases. Les camps, pardon, les camps. Ils disent à chaque fois, vous voulez des peintures, il faut aller machin, c'est très difficile et tout ça, c'est pas ici. Je vois bien que ce soit ici, moi. Les trackers sont une grande famille, peu importe votre clan d'origine, lorsqu'on chasse la meute fantôme, on est plus unis qu'une fratrie. Ça ne vous fait pas le même effet avec vos compagnons? Ouais. Alors... La fable de loup et du houblon. Alors, c'est côte de loup et fruits confits. Je sais pas comment faire avec fruits confits. Collier de protection. Attends. Okay. Let's go, let's go. Alors, quand cette unité doit mourir, elle ne meurt pas, puis le collier est détruit. Oh! Ça me rappelle... Genre dans les Dark Souls, il y a toujours un anneau qui fait ça, là, pour éviter de perdre les âmes. Les prêtres de l'œil fabriquent ce collier en suivant les préceptes de la sainte Lénaïde, lesquels n'ont pas changé depuis près de 500 ans. Ça va, c'est facile à faire en plus. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien pour préserver un animal. Vachement bien. Genre un ours et tout ça, si vous voulez l'utiliser en tant que tank. J'ai pensé à un truc aussi. Dans le jeu, vous n'avez pas besoin de tank. Votre équipe, elle n'a pas besoin de tank. Parce que maintenant, je connais un peu le jeu et tout ça. Honnêtement, les ours, ils peuvent tanker. Hein. Les ours, ils peuvent faire office de tank. Hein.
Même s'il y a des trucs qui font genre saignement et poison, donc bah, c'est pas souvent, honnêtement. C'est que peut-être les voleurs, là, les types de voleurs avec les dagues, là, ils font saignement. Ah non, ils font poison, par contre. Pardon. Saignement, c'est les ceux avec la masse la plupart du temps. Mais il faut avoir une armure. Mais en fait, l'ours, il peut faire office de tank DPS. Hein. Sans problème. Hein. Dans votre équipe, vous n'avez pas besoin de faire comme je fais, par exemple, avec Lucie et tout ça. Vous les mettez tous en DPS et vous prenez genre deux ours, trois ours à la limite. Et vous êtes complètement tranquille. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans le jeu. J'ai pensé à ça dans le jeu. Est-ce que genre on a besoin de temps, on a besoin de ça? Bah non. Les nouvelles de Ludens sont préoccupantes. Quelque chose d'anormal se passe ici. Ludern, pardon. Bon, les mecs. Genre, pas de. Non? Pas de peinture. Je vais avoir des peintures cool, moi, comme ça. Vous me faites chier, vous êtes pas fun. Moi aussi, je vais me déguiser, là. Comme Halloween. Donc, qu'est-ce qu'elle a, votre meute? Ah, tiens, on peut aller là. Il y a un objet. Bah, comment j'y vais? Ah. Intéressant. Peut-être qu'on peut faire tout le tour. Ah, ce serait stylé. Est-ce qu'on a des objets volés? Non. On n'est pas recherché. Hein. C'est quoi ça? C'est un marchand. C'est un marchand perdu. Ah, c'est pas le marchand qu'on a sauvé. Je crois. Vous êtes des acheteurs. Seriez-vous intéressé par ces superbes outils de Gozenberg? Regardez cette petite faux et... Ah, ça vous intéresse pas? J'aurais dû m'en douter. Les gens d'ici préfèrent chasser les... que bêcher leurs champs, n'est-ce pas? Ah, peu importe. Je vais pas me laisser décourager. Qui sait, le prochain client est peut-être le bon. Étampe. Étampe. Lui donner le prix de sa camelote sans la prendre. Convaincre le pauvre bou qu'il perd son temps et son argent. Dédommager. Convaincre de partir. Ah, genre payer ce qu'il vend sans la prendre parce que nous ça nous intéresse pas. Ou alors lui dire de partir. Truquer 50. Ouais, non, mais le mec il perd son temps. Il laboure pas les champs ici. T'as vu qu'ils vont labourer quoi, le marais? Laisse tomber, quoi. Non, c'est de la chasse. C'est 100% chasse ici. Vous n'avez pas tort. En 3 mois à Luderne, je n'ai vendu qu'une poignée de râteaux. Il est peut-être temps de revenir à la raison. Quelle déception. Prenez ça, je vous l'offre gratuitement. C'est toujours ça de moins à ramener à Gozenberg. Merci. Attends, on va prendre une seconde de temps. Je vais aussi booster mes... Ah oui, c'est toi en fait. Je vais refaire ça juste au cas où. Le reste sans bloquer. Alors. Étampe. L'étampe permet aux forgerons d'imprimer au métal une forme régulière. Bonus, a une chance de créer un objet de qualité supérieure. Ouh! Let's go! Tiens, Will, t'as. Ah merde. Ah, mais gain d'expérience du métier, oui, t'en as plus besoin. Tiens, Will, ça c'est cool ça. Ça c'est cool. Qui c'est qui fait forge aussi? C'est toi. Une chance de récupérer une partie des ressources utilisées en cuisine. Tiens, tu prends ça. Ah oui, il y a Menet aussi qui devrait... Mais attends. Ça a Menet. Je sais pas à quoi il sert ce masque. Tiens, Klaska, ça te portera bonheur. Bon ben voilà, qualité supérieure, ce serait marrant, ce serait sympa.
Ça serait sympa d'avoir du matériel pour crafter aussi. Ce serait vraiment sympa. Où est-ce qu'on va? Ah, c'est là la tour. Ah, mais je suis fatigué, il faut que je dorme. Oh! Oh merde. Attends, on va se reposer. On va se reposer loin des bestioles. Mais il y a un autre camp. Ah, on va devoir chasser. Là, on peut pas. Il y a tout qui commence à partir là. On va devoir attaquer les cochons là qui traînent. Après, ça vaut le coup de quoi? De les tuer directement ou alors de les attraper et après de les exécuter? On a vu que ceux-là, quand les crocopores, là, quand on les exécutait, c'était pas top top. Hein. Ah merde. J'oublie quoi. Crois que c'est une ville fantôme aussi, j'ai l'impression. Centre d'entraînement de la... Sérieux, il y a un centre ici? Oh putain. Tracker. J'aime bien regarder les techniques de combat des autres régions. Avide d'étendre de vos compétences, vous proposons des manuels techniques variés. Programme d'entraînement complet pour PC et compagnons autour du prix d'abordable. C'est quoi ça? Lire pour apprendre une nouvelle stratégie pour votre table de stratégie. Oh yes! Putain, dressage. Yes, c'est ce que je disais, la stable stratégie, là, avoir des nouvelles trucs, on débloque des nouvelles choses. Soixante-quinze. Vas-y, fais-moi 46, très bien. Okay. Ça, c'est bien. Dégâts des animaux augmentés de 10%. Ben voilà, là, c'est bien. Il y a plein d'animaux dans cette putain de région de merde. On a 3007, on va pas les gaspiller. J'avais dit que je voulais prendre des... Ouais, non, ça on prendra sur les... À moitié prix. J'ai bien envie de voler les 5 bouquins encore une fois. C'est tellement bien d'augmenter les bouquins. Mais bon. Voilà. Alors, fais voir, table de stratégie. Dégâts des animaux augmentés de 10%. Voilà. Ah, ça, c'est bien, ça. C'est bien. Tellement d'animaux ici. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? C'est quoi ça? Champignons. Pas d'endroit pour pêcher. Enfin, tu... Qu'est-ce que tu as pêché là-dedans, des monstres? Je peux pas passer. Est-ce qu'on est en bord de map ou... Non. Hey, on est derrière. C'est méga grand. Production de compétences fait gagner. Oh putain, il y a un truc là. On a des sources aussi. Tiens, tu vas voir là. 10% dans ta gueule. Tu vas le sentir passer.
C'est bien parce que il y a du challenge avec les différents événements ici. Mais notre équipe est solide. Donc ça va, on gère. Mais il y a du challenge, c'est pas de la merde. Ici là. Toi tu pourrais bien te mettre sur les trois là. Ils sont bien. C'est bien côte à côte. Hop là, affaiblissement. Yes, ça tue. Ça tue. C'est vrai que lui, il peut mettre affaiblissement facilement, du coup. Ça pète, ça pète, ça pète. Il est bien build, en fait. Pas besoin d'un épée armure lourde, en fait. Avec ça. C'est très différent, mais ça marche très bien. Dégâts des animaux augmentés de 10%. Très content. Ah, j'aurais dû me pousser pour que l'autre il ait la place derrière là. Le liège. Ouais, pas mal le déplacement. Mais ouais, parce que la boue le bloque pas. Pas mal. Bon, là, je sais toujours pas ce qu'elle fait. Enfin, là. Lui, là, la con, je sais toujours pas ce que ça fait. Allez, Warlin. Ah, après, avec les huiles, le fait qu'elle balance un couteau en plus, elle pourrait empoisonner. Ah, intéressant. Putain. Mais du coup, je crois qu'elle perdrait le coup de... le flash. Perdrait l'aveuglement. J'ai envie de dire quand même que l'aveuglement est... On l'utilise pas souvent, parce que la plupart du temps on n'en a pas besoin. Mais c'est pas de la merde. Donc ouais. Il n'est pas 8 ici? Il est là. Magnifique.
Magnifique. Il nous reste encore un à bloquer. Ah, Taurus, il peut se le taper. Je devrais mettre la distance. Ouais, ok, ça va. Je me disais quand même. Je voudrais bien qu'on le tue. Voilà. Le berserk, très bien. Tiens, toi tu vas te prendre l'attaque aussi. De toute façon, il allait mourir du dot. Il était condamné, mais c'est pour ça que je voulais le tuer, en fait. Ah, tu vas morfler l'ours là. Sept de poison. Ça risque de piquer quand même. Que de piquer un tout petit peu. Il faut plus de dégâts ici. Pas mal. Parfait.
J'hésitais sur comment m'y prendre. Suis content de neige là, neige. La gagne en mouvement quand même, hein. Parce que là c'était vraiment très dangereux. Ah. J'ai l'impression que cette attaque marche, même si l'ennemi ne bouge pas. Pas entièrement sûr encore, mais je crois que c'est mieux que le barrage. Le barrage s'active seulement si l'ennemi bouge. Il y a un mouvement en fait. Alors que là, j'ai pas l'impression qu'on en ait besoin. On sent bien le 10% quand même. Ouh, on n'est pas... Ok. On n'est pas lourd, ça va. Alors, fais voir ça, c'est quoi là? Merde, attends. Oui, si, c'est là, c'est là, c'est là. Ah, c'est un vieux village. Zombie. Village maudit de Circe. J'ai l'impression que tous les villages, en fait, qui ont été créés de ceux qui ont fait la guerre, en fait, du coup, c'est devenu des villages maudits, en fait. Attends une seconde. Une seconde. On va employer, je pense, la même équipe. Alors, Will. Méné, hacker, Wanart, Klaska et Ija. Ok. Attends, Méné. Oui, je regarde leurs armures. Wanart, Ija. Klaska, elle est bonne. D'accord, ok. Juste au cas où. On est bruyant. 62. Oh, putain. On va d'abord faire le coffre. C'est marrant parce que les événements en fait, ça doit être des skill check en fait. Genre un peu comme les donjons et dragons. Genre putain de merde. Ok. Genre s'il faut de l'agilité. Ou alors il faut être très fort, des trucs comme ça, je pense. Genre là, il y a des débris. Je vais prendre Will. En vous approchant, vous entendez une voix chuchoter. Vous n'êtes pas des pétrifiés? Oh bon sang, pitié, aidez-moi de là. Sortez-moi de là, pardon. Détruire ces plans fera du bruit.
chier. Mineur. Merde. Est-ce qu'on peut... Will, il peut changer de métier. L'espace d'un moment. Est-ce que... Attends. C'est du critique. Ok, go. Bien joué. Alors, pourquoi t'as besoin de miner? Ça. Il aurait dû faire le guerrier, là. Genre, il faut une hache. Bon, par contre, ils sont faibles. Ça, ils sont que niveau 7. Très bien. Non, attends, toi... On va commencer à te buffer. Voilà. Pam. Bon début. Ouais, Voinart, il faut le buffer en fait dans ces événements-là. Donc, on a des rats. Ça marche. Alors, le premier, ça va être le rat. Après, ça va être celui-là là-bas. Et après, celui-là là. Alors. Joli. Sans déconner. À la limite, j'aurais dû prendre ça, quoi. C'est abusé. Merci. Ça m'aide pas de faire ça. De louper comme ça. Bon, lui, il va se faire shot, je crois. On a besoin de faire ça. Non. Ouais, voilà. Bien ce que je pensais. Ils sont que niveau 7 en plus, donc ils ont moins de vie. Ça serait bien qu'on puisse avoir une lance et un bouclier. Ça pourrait faire un build assez intéressant. Enfin, non. Non, pas intéressant, je dis super OP de fou. Ah, merde! Je peux plus. Ah, faut que j'arrête de parler, faut que je me concentre. Je fais de la merde.
max. Très bien. Pam pam pam. Pam. Joli. Magnifique. J'aurais peut-être dû le bouger. C'est pas grave. Yes. Fureur, rage, très bien. Bien joué. On est bon. Menée, elle peut se mettre là. On cherche la porte et on se prépare. C'est vrai que mur de lance est devenu vachement utile en fait ici. Hop là. Avec fureur et tout ça. Bam, voilà. Il reste celui-là et celui-là. Ça va, on va juste se déplacer là. On cherche la porte. Oui, il va pouvoir lancer sa lance et chercher la porte à la sortie. Et on est bon. Tant que on a toujours une avance comme ça, qu'on peut tuer one shot avec les habilités, ça va quoi. Avec les autres, les habilités en dehors de l'attaque principale, ça que je veux dire. Ce serait tellement bien de pouvoir mettre des pièges. Oh, cool. Ok, on y est presque. Un, deux. Hmm.
Ravana peut gérer les deux là, s'il se place ici. Et il peut tuer lui. Hop là. Ok, on a juste à gérer les autres. Que toi qui fais pas assez de dégâts en fait. Bon, c'est compréhensible. On va chercher la porte. Nickel. Ah, je l'ai bougé, il a pas riposte. Ah, mais on va pouvoir partir. Provocation ou pas? Ouais, juste au cas où, si ça merde. Hop. Ah oui, eh oui, eh oui, provocation parce que riposte. Nickel. Ah, je vais pas faire ça. Normalement c'est bon là. Ouais. Bien joué. Bien joué les gens. Content, très content de cette équipe. Non, pas ça. 3. 4. 4, c'est bien. Retrouve, trouve une issue et calme, reviens un peu à peu dans le village, ok. Par contre, on a quelqu'un. On a libéré quelqu'un. Ancasta. À cause des pestiférés qui rôdent, je ne pouvais même pas appeler à l'aide. Autant dire que je pensais mourir lentement de faim derrière un tas de planches. Je vous dois la vie, mercenaire. Merci d'avoir pris le risque de m'aider. Prenez ça. C'est ce que j'ai ramassé dans le village avant que je ne sois prise au piège. Concoction. Je m'en vais. Vous ferez mieux de faire de même après le bruit que nous avons fait. T'inquiète, on a tout géré. Ouh, bam, bam, bam. T'inquiète, on a une bonne équipe anti-zombie là. Une bonne équipe. Concoction d'arag. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Aspersion. Une fiole à l'odeur âcre particulièrement efficace contre les moustiques des marais d'arag. Inflige 50% de leur santé maximum à tous les moustiques dans la zone. Si cette attaque est censée tuer un moustique, elle le capture à la place. Oh! What the fuck? Elle le capture. Alors les moustiques, j'avoue qu'ils sont super super relous à combattre. Il y en a beaucoup, ils vont très loin. On en a combattu je crois une seule fois.
je crois. Et je m'en rappelle. Une seule fois, je m'en rappelle. Alors, ça vole. Du coup, la boue, ça les ralentit pas. Ils sont nombreux. Ils ont genre 120 de vie. C'est beaucoup. Ils n'ont pas d'armure, pas de garde, évidemment. Et leurs attaques. Ça fait pas poison, rien, je crois. Par contre, quand ils tapent deux fois, ils rejettent leur vie complètement. Ils sont full vie quand ils tapent deux fois. Et après, ça passe à travers les armures. Ça passe complètement à travers les armures. Ah, j'avoue que tiens, les moustiques, ils vont peut-être nous foutre dans la merde à les combattre. Après, on a les crocopores avec 150 de vie. Après, nos gens ont pas trop de vie que ça. Ouais, il va falloir vraiment faire appel à nos tanks parce qu'on n'a plus les ours. On n'a plus du tout les ours. Donc, ouais. Par contre, les captures. Pas non. On va essayer d'en capturer. Tu gères, girl. Je sais pas qui. Je sais pas qui. C'est ton nom, je sais plus ton nom, mais. Tu gères. Déjà, on a 48. Alaska. On est reparti. L'œil de vos compagnons est immédiatement attiré par cette poutre, un vermoulu. Le moindre courant d'air, la moindre vibration, et elle s'effondra. Si votre troupe veut explorer cette pièce, il faudra qu'un compagnon robuste et endurant sou la soutienne. Will. Le dos contre la poutre, Will empêche le plafond de s'effondrer. Let's go. Le coffre est tendant. Est tentant, mais pour l'atteindre, il faut traverser un champ de débris. Un compagnon suffisamment agile pourrait marcher dessus sans faire de bruit. Oneheart, parce que hacker, je te fais plus confiance. Le pied de Oneheart évite comme par magie les débris qui jonchent son chemin et accède au coffre. Yes, let's go. Let's go. Et bien joué l'équipe. Là, il n'y avait plus rien, hein. On est d'accord. Est-ce qu'on doit se reposer ou pas? Ouais. Oh, le bruit et tout, on dirait vraiment une ville fantôme. Ça tue. Ça tue. Vous vous rappelez qu'on devait faire des missions? Non, fais pas vraiment, non? Ouais, non, c'est bien ça. Du coup, Klaska... Tu es constitution plus 2. Ouais, à la limite, ouais, tu peux garder ça. Critique. Les moustiques me font peur, honnêtement. J'ai vraiment. Là, si on peut en capturer. Faut voir si ça peut être encore mieux qu'un crocopore. Mais bon, ça m'étonnerait honnêtement. Ce crocopore, les debuffs, je vois pas ce qui peut être mieux qu'un debuff, en fait, honnêtement. Mais ouais. Après, un truc que j'ai pensé au crocopore, ceux-là, on les a depuis très longtemps. Est-ce que si on les mange, si on les exécute, est-ce qu'ils vont nous donner énormément de viande comparé à des nouveaux qu'on attrape. Ils sont tous niveau 9 en fait. Bon après il y en a peut-être qui sont proches du niveau 10. Ouais quand même. Ouais ça fait un peu chier de... Enfin au niveau 10 ils apprennent que dalle, hein. C'est juste qu'ils seront plus haut niveau quoi. Ouais non on les gardera, c'est pas grave. Ouais. On les gardera. Ça. Ça. Ouais, on commence à avoir moins de diversité.
dans la nourriture là, c'est un peu relou. Il faut de l'alcool ou pas? Non, c'est bon. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a, Will? Est-ce que le butin qu'on a tiré du village maudit valait de nous mettre autant en danger? Je me demande si ce groupe tient autant à la vie que moi. Se confier, putain. Se méfier. Prime de risque, dédommager. Ah, oh, tu me fais chier, Will. Se méfier. Ah mais c'est tout mauvais en fait. Prime de risque, il faut payer plus. Non, 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 non. On paye déjà assez. On va se méfier alors. Ça va, t'as encore des meilleurs amis? Ouais, ça va. Tu détestes le poney. Ok. C'est quoi? C'est celui-là? Non, c'est celui-là là-bas, le nouveau. Ça marche. Ça va, tant que tu me le tues pas pendant qu'on dort, Will. Honnêtement, j'ai pas de problème. Juste, va pas me le massacrer pendant qu'on dort. Le poney. Ok, on va s'arrêter là. On va continuer. Je crois qu'on va continuer le petit village là de zombies. Parce que j'aime bien le petit événement là où il faut tenir et tout ça. Je trouve ça cool. Il nous faut de la nourriture par contre. On a plus que 7 jours et c'est honnêtement, je crois que c'est 3 jours de boisson. C'est 3 jours de boisson. Donc c'est un peu embêtant. Et il faut faire le truc des moustiques. Parce que je veux en capturer, je veux voir ce que ça peut faire et tout ça. Peut être vachement intéressant. Vous imaginez des moustiques qui tapent à travers l'armure? Vous imaginez ça? On prend ça contre la garde. Ça peut être bien. Et s'ils se soignent tous les deux coups, ça voudrait dire que le deuxième tour, ils se soignent. Ils se soignent full vie. Ça peut être intéressant. Être intéressant. Pour le moment, les crocopores avec les debuffs, il n'y a pas mieux, mais ça peut être intéressant aussi, les moustiques. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.